Alors du coup, les petits potes, bonjour déjà, si jamais vous voyez cette vidéo sur YouTube. J'avais envie de faire une petite game de Wukong, mais pas un Wukong qu'on voit d'habitude avec un pourfendeur. J'avais envie de faire un petit Wukong assassin. On n'en voit jamais, on n'en voit clairement jamais. Et j'avais déjà testé une fois, j'avais trouvé ça pas trop mal. Donc j'avais joué avec la faux spectrale et j'avais joué avec... En mythique, je sais plus avec quoi j'avais joué. Je crois que j'avais joué avec la griffe du rôdeur. Donc tu griffes du rôdeur, tu E, auto, Q, et tu fais proc ton attaque soutenue. Donc je joue attaque soutenue et concord. En fait, l'idée, c'est vraiment de one-tap le mec. Et en plus de ça, tu as beaucoup de dégâts sur la durée grâce à ton R. Donc bon, je pense que c'est bien mieux de jouer Conqueror pour Fender. Je pense que sur la durée, c'est vraiment bien. Mais avec cette strat-là, t'as beaucoup de burst. Donc des cibles comme Jinx ou Fiddle, je risque de les one-tap très très vite. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est vraiment pour la science, du coup. Et on va voir. Salut Sam. Les lots de la game, c'est du plat jam, à peu près. Comptez sur Donc moi. on joue en plus, on joue pas contre du bronze, hein. Donc ça joue un petit peu. Mais je pense que c'est. Alors j'ai. C'est limite du viable. Mais je pense pas que tu puisses jouer ça en master par exemple. Mais à bas et low, je pense que tu peux t'amuser, jouer de cette façon. C'est très facile, c'est très no brain. Et ça peut être très efficace si t'arrives à snowball dès le début. Par contre, il faut snowball très tôt. Tu vois, c'est un peu comme le Renekton attaque soutenue. Il faut vraiment snowball. Il a l'air bizarre un peu ce Garen, non? Je suis Wukong mon poulet quand même. Tu gagnes pas comme ça. Hein. Bon, vous avez vu hein, les bonnes patates que je lui ai mis. On va prendre le level up. Alors l'avantage aussi c'est que mon Q-spell fait proc l'attaque soutenue en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ah ok il a... Wow, close. Il a bien joué parce qu'il a failli me bait avec son shield. Ok, close en vrai. Bon, c'est avantageux pour nous. T'as vu, tu peux cancel en fait l'animation de ton Q-spell si tu E instant. Là, il y a pas mal de CS. Oh, oh, let's go, mon double MVP. On va se barrer, on va aller chercher la brillance. On va aller chercher directement la brillance et jouer sur les procs de brillance du coup. Alors après, le problème... Ah non, c'est beaucoup plus avantageux de prendre double épée qu'une brillance, je pense, quoi qu'il arrive. Donc on va partir sur ça. Même si la brillance aurait eu du sens, mais ça va, c'est correct. Ok, bon, on s'en sort bien. On s'en sort bien, on a failli se faire bait par le shield du Garen. C'était très très smart de sa part d'ailleurs, hein. On va pas se mentir. Salut Diclone, ça va ou quoi? Sinon, si on va être nerf prochain patch, non, je n'ai pas vu. Depuis le buff, faut plus sous-estimer Garen. Ouais, fais attention. Ça reste Garen, ça reste encore une fois, comme je dis à chaque fois, un champion, on va dire, assez, entre guillemets, no brain, no skill, entre guillemets. Donc ça peut vite être dérangeant. Parce que le problème de ce genre de perso, c'est que bah c'est très facile à jouer en fait, du coup. On va juste faire proc. Attaque soutenue, on va se barrer. Vous avez vu hein, quand même les bons dégâts hein, que je lui mets. On va régène tranquillement. En max Q-spell, bien évidemment, sur Wukong, tous les jours. Bon, je vais en perdre juste un. Ok. Alors là, l'idée, c'est de cut son passif de cette manière-là. Là. Ok, on va pas aller plus loin parce que j'ai pas d'info jungle. Il se dirige vers justement la jungle, donc. Ça a pas suffi. Ouais, voilà. C'est bien ce que je me disais, vous avez vu. C'est pour ça que c'est important d'analyser en fait votre adversaire, comment il joue. Parce que en fonction de sa façon de jouer, vous verrez en fait si potentiellement le jungle peut être dans les parages ou pas. Alors je pense pas qu'il puisse me dive. Ça me paraît assez complexe. Mais c'est correct. Là l'idée ça serait d'avoir la brillance sur le prochain back. Donc nous on va push la wave. Hein. On va quand même. Voilà. On va quand même vérifier. On va vérifier si le Garen était là, je m'en suis douté.
Là, il a l'ignite de up. Là, il veut me tuer. Voilà. Je savais qu'il allait m'ignite. Je meurs? Bon, my bad. Vas-y, push, push, push. Ouais. My bad, my bad. Je devrais pas crever là sur ça. Bon, c'est pas grave. C'est une petite erreur de ma part. C'est pas grave, ça met bien le Hecarim. On va dire que c'est tout pour le Hecarim. Sur le prochain trade, je pense que je vais pouvoir le défoncer. Ok. Bon, c'est pas grave, parce qu'on lui donne... Bon, c'est chiant, mais ça va, c'est pas dramatique non plus. Je joue pas... Non, je joue une version un peu assassin de Wukong, là, cette fois-ci. Avec un faux spectral. C'est... je tente. Je tente des choses. On est là pour la science. Non, non, tombe pas, petite plate. Jure. On va faire une auto-attaque, une ou deux auto-attaques près. Écoutez. Bon, c'est pas grave, il est niveau 6. Donc il peut moins de tap. Enfin non, il peut pas vraiment moins de tap en vrai. Il peut pas parce qu'il a pas d'ignite. Et sans ignite, il peut jamais me tuer. Par contre, moi, je vais pouvoir le 100-0 normalement. Voilà, il va m'enlever la pink. C'est pas grave. Je vais prendre mon niveau 6. Vous allez voir, je vais le all-in. Et ça va aller assez vite. Je maîtrise. On fait proc attaque soutenue d'abord. On ignite. Et on le tue. Ok, bon, malheureusement, il y avait le copain derrière. Le fidèle qui nous aime bien. Ok, vous avez vu, on a réussi quand même à le 100-0 assez facilement. Alors qu'on était en situation de 1v2. Ouais, ok, nice. Bien joué à toi. Bah du coup, hein, t'as eu une belle plate, hein, fidèle figure, à toi. Ok, bon, c'est là où ça va commencer à être intéressant, les amis. On va bientôt avoir notre faux spectral, ça va être un bon petit power spike. Alors après, je me tâte, en vrai, parce que je me dis que Eclipse peut être super bien aussi, en vrai. Ça me permettra d'être un peu moins squishy, d'avoir un shield, ce qui est assez cool. Alors là, on va pas trop faire le malin. Hop, on va instantanément double. Après, c'est. Ouais, le problème c'est qu'il a un E donc. Ok. Alors, je pourrais très bien jouer l'âme de roi des choux aussi en vrai. Jouer sur l'attaque speed, hein, ça c'est pas forcément mauvais. Là, il faut que je fasse gaffe parce que R plus Ignite il peut me très très vite me 100-0. Donc, va falloir vraiment le go sur un timing bien précis. Par exemple, si il E dans la wave. Le fait que le Garen E dans la wave me permettra de le all-in assez facilement. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on peut lui mettre le Q-spell sans que lui il puisse mettre le sien. On joue vraiment sur la range, on a une meilleure range que lui grâce à notre Q-spell. On a vu que Fiddle était autour de la bot lane. On va pas se mentir, je le vois bien revenir vers le top side du coup le Fiddle. Ça m'étonnerait pas trop. Là, on va essayer juste de le pop comme ceci. Je pense que là, il peut me all-in assez facilement. Oh, ok. On va juste mettre une petite ward. Voilà. Vous avez vu, on a largement les dégâts. Là, par exemple, je vois pas Fiddlebot. Donc, ça veut dire quoi? Que normalement, il est top. Donc, on va juste push ça fast. Parce que là, il est en train de courir top. J'aurais peut-être dû max mon E en vrai. Vu que je joue un peu plus assassin. Vas-y, on se barre. Direct. Mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. À mon avis, il est dans le coin. Oui, oui, je me doute. Donc là, il faut vraiment face back. Ok, on a la fausse spectrale. L'assassinat va pouvoir commencer. L'assassinat va pouvoir enfin commencer. Vous avez vu, on a quand même des dégâts intéressants. Même si on joue pas Conqueror et qu'on joue attaque soutenue. On a quand même des dégâts intéressants. Même si je pense que globalement, en fait, le Conqueror vous donne quand même beaucoup plus de potentiel. Et pas pour Garen. Bah en vrai, je pense qu'il est bien. Hein. Il est bien pour Wukong. Hein. Wukong était un perso quand même relativement tanky, naturellement, grâce en fait à son buff d'armure ici et sa régène. Puis t'as un all-in quand même qui est relativement puissant. Hein. Je trouve. Ok, on récupère ça. Garen est mid. Donc on va pouvoir push fast.
crois qu'il est en train de remonter. Là, il va falloir faire très, 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 très gaffe au Fiddle maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de vision avancée. On va mettre une pink là. Et on va mettre juste une ward ici. Le seul vision que j'ai pas, c'est ici. Donc, si Fiddle passe par là, il vient là. Je pourrais pas vraiment le voir. Donc là, on va juste voilà, le poke un petit coup comme ça. Et on va le forcer à push. Voilà, on a forcé son shield. Là, il va bouger sur la carte. On va avoir une wave correcte. Donc là, on va prendre la prio pour aller aider le Hecarim. Fiddle est pas là. Hein. Je sais pas où est Garen. Donc on va vite fait les défast à finir ça. Voilà, nickel. Vous avez vu le Fiddle? Il était vers là. Donc là, on a une wave à peu près correcte. Garrett va retourner top side. Il a pas vu notre pink. Donc c'est très bien pour nous. Ça veut dire du ça va ou quoi? On va plus nous contre top. Ouais, c'est assez dommage parce que encore une fois, je trouve que le potentiel du perso est insane. Donc là, il va les poser. Donc on va pas le all-in tout de suite. On va juste lui claquer un petit Q-spell s'il s'avance. Voilà, vu que la wave de toute façon elle est pas trop mal pour moi, ça va. Là de toute façon il va avancer sur le canon, hein. Pas se mentir. Hein. Non, il veut pas prendre son canon, ok. Ah, bon. Bah il était meilleur. My bad. Bon, 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 bon. On va aller chercher ça. Alors je sais pas si je vais faire... Tu vois là, typiquement, si j'avais une Eclipse, je pense que je vais jouer Eclipse plutôt que Griffe du Rôdeur. Je pense que c'est mieux. Le shield est trop important avec les dégâts que je vais mettre supplémentaires. Ah, il a été meilleur, hein. Il était meilleur, le Garen. Hein. C'est pour ça que je voulais le poke un petit peu. Je voulais pas forcément le all-in tout de suite. Parce que je me doutais que... Il pouvait me baiser comme ça. En fait, juste le problème ici... si je jouais Conqueror plus Pourfendeur, bah je gagnais parce que le Conqueror me donne de la régène et le Pourfendeur aussi. Là juste bah, je suis un peu squishy. C'est un peu le point négatif du stuff, c'est que t'as plus de dégâts mais que t'es un peu squishy quoi. Avec juste des bots. Ouais non mais Garen c'est weak les gars. Garen c'est weak, il était en 1-4 et tout. Vous comprenez, Garen c'est de la merde. Hein. On va max le E. Garen, c'est très très weak, faut faire gaffe. Hein. Ok, on a profité un maximum des plates. Je pense que je suis mort là. Ok, ça va. Quand même des bons dégâts. On a surtout notre R qui va revenir. Ok, nice. Je sais pas s'il a récupéré le sien, c'est ça le problème. Parce que là, je pourrais le 100-0. Mais il va régène beaucoup. Sur un Q... On sait, il faudrait que je le E. Auto, W. On va fast push ça. Le temps qu'il est allé chercher je ne sais quoi. Ok. Bon, il a beaucoup trop régène avec son passif. Mais ouais, je pense que Eclipse sera plus intéressant pour le shield. Je pense que Griffe du Rôdeur, j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà un dash. J'ai déjà beaucoup de mobilité. Donc c'est pas nécessaire. Non, mais après qu'il buff et tout, tu vois, la rigueur, bon, ça me dérange pas. Mais ça change rien de toute façon à la débilité du champ. Et de toute façon, c'est un combat que j'aurai tous les jours. C'est que... Bah le champion est littéralement no brain et end skill quoi. Même si voilà il a ses faiblesses, je dis pas le contraire. Mais ça reste néanmoins un champion avec quand même relativement peu de mécanique. Ok il est niveau 11, là il fait un petit peu plus peur quand même. Son R va pouvoir m'exécuter beaucoup plus facilement. Après bon là il gagne parce que... On va dire je joue d'une manière particulière contre Garen, c'est peut-être pas la meilleure des façons de jouer Wukong.
D'accord. Bah, il est... ah, vous avez vu, il était très très bon. Ouais, bon, tant pis. On va mute. Après, je joue en plate, hein. Je joue pas en silver, donc... Il y a beaucoup plus to... Oui, il y a beaucoup plus toxique. Mais... c'est un champion de merde. Je le dirai chaque jour au effort. C'est juste un champion de merde. Il y a... Je sais pas. Moi, perso, je n'aurais aucune fierté de monter avec ce champion. Tu vois. Je me dirais pas, je suis fort au jeu, tu vois. Entre guillemets. Alors après, encore une fois, monter très haut niveau avec le champion, c'est autre chose. Moi, je parle de tes Iron Silver... tu passes plat de diamant avec Only Garen, tu vois. T'es content de toi, c'est bien, mais pour moi, il n'y a pas à être ultra fier. Parce que tu joues un champion de merde. Mais par contre, ouais, typiquement, monter Challenger avec Garen, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que le champion a plus haut elo, il est un peu éclaté au sol, quoi. Salut Valou, ça va ou quoi? Je veux un... Bon, de toute façon, nous, notre but, c'est pas de faire le café contre Garen. C'est un champion qui me baise un peu, vu qu'il est hyper tanky. Quand il faut commencer à activer le cerveau, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on arrive à le tuer ici. On lui a quand même mis des bonnes petites patates. Il a R sur mon W, donc c'est parfait. Ça me va. Ça fight me. Toute ma team se fait littéralement broyer. Ils sont combien? Ils sont pas mal. Je pense qu'il y a personne sur moi. Bah, c'est pas une wave canon. C'est ce qui me gêne un petit peu. Yes. Il faudra m'expliquer pourquoi je prends de la tour. Ok. Tout va bien. Beaucoup d'AD à partir sur l'établi. J'ai pas compris pourquoi j'avais l'aggro de la tour. Mais bon, c'est pas grave. Salut Saitako, ça va ou quoi? Salut Godir. J'espère, je suis trop content de l'annonce à TDS. Ah, avec Oli Energy. T'es délu, tu devrais pas chez Sixen. Ouais, sûrement, je pense que je suis délu. Je pense que tu as raison. Je vois pas en quoi tu dis que je suis délu, mais... C'est Wasabi, ça va ou quoi? J'ai mon R là. Ouais, à un moment donné, j'ai cru que c'était le vrai. Il est resté tellement longtemps. Alors, je sais pas si mon shield va faire la diff sur le 1v1. Je me suis régalé. Attends, on va faire ça. Alors, je vais juste vérifier. Un truc... Je vais tout ce que tu viens de dire. Oui, non, mais après, moi, c'est ma façon de penser. Après, chacun... Alors, monsieur Zoulek, voyons un peu ses messages. Ok, bon, premier message. Premier message comme ça, pas de bonjour ni merde. Toujours un plaisir. Salut le Radis, ça va ou quoi? Mais je dis ça, en plus, avec, honnêtement, aucune haine, aucune... Rien, hein. C'est juste ma façon de penser, je déteste juste ce champion du plus profond de mon cœur, c'est tout. Bon, il y avait un beau shutdown. Ça se prenait. Le fiddle me baise littéralement. En vrai, c'est trop compliqué à jouer quand je trouve. Ouais, je peux pas jouer ça. C'est impossible. J'ai pas de R là, donc c'est assez compliqué. Panthéon va pouvoir R. Les dégâts étaient pas mal. J'ai même pas eu besoin de R là. J'ai même pas eu besoin de R, je l'ai massacré la pauvre.
On va se barrer. On va aller chercher, je pense. Bon, on arrive à se refaire sur ça. On peut, hein. Je pense qu'on peut. Fiddle n'a no R, hein. Pour moi, c'est frié, hein. Bon, j'ai pas de R non plus, mais... On a pas mal de dégâts. Je pense que sur ce move, on peut récupérer ce Nashor. Alors, c'est un peu risqué. Il est vrai. Ok, on l'a, on l'a. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, je pense que c'est à moitié worse. Et je pense que ça va. Attends, du coup. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher le Cyril là, je pense. Ça sera bien meilleur qu'autre chose. Et on va essayer de surprendre peut-être la Jinx si elle décide de push trop loin. Non, elle va pas aller plus loin. Et là, il me faut juste les 650 gold et je suis Gucci. Hein. Je vais avoir du slow, etc. Je vais être très très bien. Combien 650. Je prends encore une wave. Et on est bien. Salut Prince Sombre, ça va ou quoi? Y'a pas que... Oh non, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein de persos un peu no-brain. Hein. Ok, on vient de lui baiser sa daronne. On va faire ça, ça. On l'a baisé avec notre... On l'a feinté. Du coup, il est parti un peu. Il nous a pas mis tout le E. Il aurait dû rester quand même, je pense. Bon, c'était close. C'était assez close. Parce que j'ai très peu d'HP, en fait. Il me burst très vite avec l'Ignite et le R. Je peux mourir très, très vite. On va juste check. Vite fait, s'il n'y a pas de la vision... Okay. On va avancer la vision, apparemment on n'est pas du tout vu. Jinx ici. Je vais peut-être passer dans le dos. Nickel. Pas mal ça. Vous avez vu, n'empêche, là le Wukong assassin qui commence à faire un peu son effet. Je trouve quand même que les dégâts sont assez colossaux. Alors je sais pas si on peut end. Je pense qu'on peut end. Hein. Il a encore ultimement double. Attention. Ok, nice, c'est bien. C'est très très bien là ce qui est en train de se passer. Bon, vous avez vu, le début était un peu calamiteux. Parce que le match-up était pas si facile que ça non plus. Mais ça se passe beaucoup mieux là. Je sais pas s'il y a un bleu, non. C'est quoi un Drake dans quelques... On a du temps encore devant nous. Je peux me permettre de push top, je pense. J'ai bientôt mon GA. Hein. Est-ce qu'on peut aller chercher cette tour en vrai? Parce que c'est un Drake des vents, hein. Je m'en bats un peu les couilles. Hein. Je détruis la tour assez vite. On est niveau 16. Là, ça va piquer. Là, ça va commencer à piquer. Là. Fait one shot ma gueule. Vous avez vu, hein, c'est un Garen, c'est relativement tanky. Je le détruis assez facilement maintenant. Et là maintenant je peux aller chercher la tour. J'ai même pas eu besoin de Zonia ou quoi que ce soit.
Et je peux aller récupérer l'inhib assez facilement. Mais je pense pas qu'on puisse end. Voilà. Finalement, le Wukong assassin a été un petit peu compliqué au début, mais on s'est bien débrouillé. On s'est bien débrouillé. Allez la team, je vais faire une petite game viewer et après je ferai le BO Master. Je ferai une ou deux game viewer maximum et après on attaquera le BO Master sur le main. Donc ben, n'hésitez pas à me donner vos pseudos et je vous inviterai. Mais voilà, on a réussi à faire le taf. Début un peu calamiteux, un peu compliqué. Mais après ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé, on a mis pas mal de dégâts. Après voilà, on joue contre Garen, encore une fois, c'est pas facile, c'est jamais facile je trouve de jouer contre ce champion. Mais voilà, encore une fois, quand je parle de Garen, je vous dis pas de pas le jouer. Je trouve juste que le champion est chiant quoi, il est chiant à souhait avec ses non-mécaniques.